Bonjour à toutes et à tous, c'est Ricolan, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Alors aujourd'hui, pour une vidéo, je vais vous présenter toute ma récup du jour. Donc j'étais dans un lieu abandonné, récupérer des choses. Donc commençons. Ici on a un compteur. Bon, je vous ferai une vidéo de tout, nettoyer et fonctionner à la fin. À peu près tout, ce que je garde pas, je le jetterai. Voilà, donc un petit compteur. Donc j'ai bien pris soin de déconnecter les fils et de remonter les caches. J'ai un peu abîmé la vis là, mais voilà. Un petit compteur. Ça, c'est normal. Voilà, c'est un compteur de l'IS, je crois. Il n'y aura pas assez de place pour tout poser, je pense, là. Ensuite, on a ça. Donc, il y avait ça et j'avais la flemme de déconnecteur. J'ai tout pris direct là-bas. Donc, hein, une rangée de disjoncteur. Donc, c'est assez récent, ça. C'est de la marque Chupa. C'est 2 ampères, 10, 10, 10, 20, 32 et 16. Je vais faire un peu électrique avec ça si j'ai envie. Voilà. Ensuite, on a un détecteur de mouvement. Donc, au lieu de fixer une lampe, mais la lampe, je l'ai aussi prise, mais juste pour la douille et les 2-3 pièces. Massive. Max 150 watts, voilà. Alors, ah, nickel, là, on peut régler et tout. Voilà. Ensuite, on a. Ça a éclaté. Une lampe, c'est la marque Massive, c'est là où il y avait le détecteur, là j'ai dû péter pour l'enlever et tout. Juste prendre l'ampoule parce qu'elle est bonne. C'est tout fissuré et tout, juste prendre l'ampoule et les douilles et pour le reste. Peut-être le réflecteur, sinon on reste poubelle. Voilà, petite lampe. Ah putain, chier. Voilà. Ensuite, je vous ferai une vidéo pour chaque truc à part quand ils seront nettoyés. Ensuite, on a. Ça, je vais le prendre. Donc, des anneaux de spot. Donc, ceux-là, ils sont normaux. Et ceux-là, ils ont des douilles, les mêmes douilles que les Mazda et pas avec les douilles de deux côtés. Donc, ceux-ci, je vais démonter les douilles et les garder. Pour une EPA, parce que d'ailleurs, Loïc. Maintenant qu'il a acheté sa EPA neuve, il va me donner son sa EPA 250 en B, 125 toutes décomposées. Et il y a une douille comme ça, mais elle est fissurée. Alors je pourrais changer la douille. Des trucs comme ça, j'ai trouvé des pains aussi, mais ceux-là, je vais les valser, je prends juste les douilles. J'ai juste pris pour les douilles. Voilà. Donc là, on a déjà tout ça. Oh, ensuite, on a. Ah oui, ça. Je pense que ça c'est une minuterie pour mettre pour ça, je sais pas. Mais ça vient du tableau, je l'ai pris. Oula. Ensuite on a deux ampoules, donc elles sont. Celle-ci elle est toute éclatée partout. De quelle marque? 12 volts, 35 watts. Et là une ampoule Mazda avec la capsule opaque d'origine. Il faut que je recolle le truc là parce qu'il bouge et pff, il est tout en mauvais état. Je vais quand même la garder. Ensuite, ici, on a une douille B27 que je récupère dans une appli, une douille B22. Merde, elle est pétée la douille B22. Pff, bon, ça, ça y est. Là, j'ai une ampoule Generatrix. 230 volts, 75 watts. Ça, ça date des années 80. Ensuite, on a un hublot. Je connais pas la marque. Donc là, il y a encore une cheville parce qu'elle est partie avec. Voilà, donc il y a une ampoule Philips 100 watts dedans. Donc là, il y a un truc qui est pété. Celui-là, il bouge. Il faudrait que je le recolle. Mais celui-là, il est pété. Je l'ai pas avec. Peut-être que je l'ai dans mon sac. Peut-être qu'il s'est pété dans mon sac. Je vais juste regarder. Je l'ai pas. Et ensuite on a quelque chose de très intéressant. Ah, celui-là j'avais pas vu qu'il manquait le culot par contre. Bon, celui-là je vais le démonter. Donc là on a ça. Donc c'est il faut l'avoir bien.
J'ai aussi récupéré une autre aiglette dans la maison abandonnée, mais ça, je vous la montrerai dans une autre vidéo. Donc voilà, ça, c'est un adaptateur ferromagnétique. Use 35 watts, lamp only, economy lighting. Voilà, c'est avec des ampoules comme ça dedans. J'en ai récupéré 6. Il y en a un que je vais pouvoir démonter. Parce que... Voilà, donc celui-là, c'est un modèle avec pas de truc dessus. Pas de ça. Voilà. Donc dans celui-là, ouais, il n'y a plus de culot. Donc je vais pouvoir le démonter. Et la petite, la petite vitre. Je la mets pour un autre. Celui-là, je le mets à côté avec le W22. Et voilà, bah... Ah, voilà, quoi. Maintenant, je vais faire mon tri, je vais supprimer quelques trucs et poubelles et... Voilà. Donc, ça, c'est de la marque Lita. Donc, je vais récupérer l'étiquette sur ceux qui en a encore pour la mettre sur ceux que je garde. Oh, donc, je vais récupérer quoi? 4 ampoules. 1, 2, 3, 4, 5 ampoules. C'est tout, mais après, je récupère pas mal de choses intéressantes. Sinon, ben voilà, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!